Salut! Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et je suis bien content de pouvoir revenir pour pouvoir vous en faire. J'ai enfin un petit peu le temps là en ce moment, donc je vais m'amuser à faire quelques petites vidéos. J'ai eu beaucoup de choses à régler, pas mal de travail, pas mal de soucis, aussi une petite remise en forme, mais ça commence à aller mieux. J'ai aussi travaillé dans une cidrerie, où j'ai beaucoup appris sur la fermentation et la distillation, la cidrerie du manoir du Val. C'était franchement une super belle expérience. J'ai beaucoup à vous en dire. Une petite dégustation de Calvados qui va venir. Franchement, il est tip top, c'est superbement bon. Je tenais franchement à faire une petite vidéo là-dessus sur la chaîne. Donc vous allez avoir ça prochainement. Le travail à la cidrerie a quand même été intense, donc franchement j'avais vraiment pas l'énergie le soir pour reprendre mes vidéos, c'est pour ça que j'ai pas pu continuer même après avoir fini ma formation. J'ai eu beaucoup de choses à faire, et notamment la refonte de la visite, la refonte du musée. Alors il est encore un peu en travaux en ce moment, donc si vous allez à la cidrerie, vous n'aurez pas encore le loisir de pouvoir voir un petit peu ce que j'ai pu faire, mais prochainement l'inauguration est normalement prévue pour octobre, donc vous pourrez, si ça vous intéresse, inaugurer à ce moment-là la visite du musée de la cidrerie, pouvoir tout découvrir avec les éléments que j'y ai apportés, notamment des superbes panneaux que j'ai vraiment travaillé pour expliciter facilement comment était produit le cidre à la ferme. Et ça, c'était un gros travail. J'ai aussi aidé Marie et Thomas à faire en sorte que la visite soit correctement scriptée et que l'on ne perde pas des informations, ou que si ce n'est pas Marie et Thomas qui font la visite, et que l'employé ait tous les éléments pour pouvoir faire une belle visite et bien renseigner les visiteurs. Il y a toujours une bonne petite dégustation à faire à la fin de la visite. C'est super intéressant. Les calvas sont vraiment tip top. Si ça peut, si vous êtes dans la région et que vous avez envie de voir un petit peu comment c'est fait, c'est un très très bel endroit. Et il y a un petit film aussi que j'ai fait, un beau film de la région, de la cidrerie, avec de très très belles images. Si vous avez envie de voir un petit peu le travail que j'ai pu faire en matière de montage ces derniers temps, eh ben vous pourrez le voir à la cidrerie. Si ça vous intéresse, j'ai mis l'adresse en description. Alors aujourd'hui, cette vidéo est un petit essai, une espèce de vidéo d'annonce que j'aimerais pouvoir essayer de mettre en place tous les mois pour vous dire un petit peu ce que je compte publier sur la chaîne et mes réseaux durant le mois. Je ne sais pas hein, si je pourrais garder le rythme. Aujourd'hui, je suis un petit peu dans une période de transition sans emploi. Donc j'ai du temps à y consacrer. Je ne sais pas si quand j'aurai repris le travail, j'aurai à nouveau le temps de faire autant de vidéos que j'ai l'intention de faire dans cette période. Mais on fait le test. J'ai pas été très régulier et même très en retard. Mais je ne pouvais pas reprendre les vidéos sans avoir clôturé la formation Petit Matelot. Ceux qui ont acheté la formation ont reçu les dernières leçons. Ce n'a pas été une bonne opération pour moi, mais je tenais vraiment à aller au bout de mes engagements. Alors, donc, dans cette période de transition, j'ai envie de tester quelque chose. Je compte faire beaucoup plus de vidéos de dégustation qu'avant, mais avec quand même beaucoup moins de travail vidéo. Ce sera un mélange de ce que je compte publier sur Instagram et de ce que je compte publier sur YouTube. Des vidéos courtes de type Reels, de dégustation sur Instagram et YouTube, et une vidéo compilation avec quelques informations complémentaires de la série de dégustation que j'aurais faite sur YouTube. Le but est de vous présenter plus de rhum en minimisant le travail de tournage et le montage de mon côté. Cela va me permettre de réussir à être plus productif avec un minimum de travail pour pouvoir continuer même si je reprends le travail.
Quand j'ai réfléchi à ce format, c'était quelque chose que je voulais faire en combinaison avec des vidéos live. Mais bon, j'ai toujours pas la fibre et vu que je risque pas de l'avoir avant la fin de l'année et que franchement, les lives que j'avais fait à Noël étaient de très très mauvaise qualité, bah je me suis dit ça sera pour plus tard. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit peu ce format en découpage entre les différents réseaux sociaux. Et puis quand j'aurai enfin la fibre, je mettrai en place le véritable format que je voulais faire, où je pourrai être plus interactif en dégustant plusieurs rhums avec vous, et des petits formats supplémentaires en complément. Il y a vraiment des avantages et des inconvénients à vivre à la campagne. Alors, je voulais quand même faire une notation pour les dégustations que je vais faire. Mais comme on est sur un format court, je ne vais pas faire des notes sur 100 comme je le fais habituellement, mais plutôt sur un mode de notation plus simplifié, sur 5 points, et pas une note de 0 à 5, enfin de 1 à 5, mais avec une appréciation sur le feeling que l'on peut avoir avec le rhum. Alors ce sera soit un rhum invité, à boire au quotidien, petit plaisir occasionnel à collectionner ou alors tout simplement un véritable coup de cœur. Je ne voulais pas que ce soit une notation uniquement sur la qualité de produit. Il y a des rhums qui sont pas exceptionnels et qu'on achète plus facilement que d'autres. Pour des raisons de coût, bien entendu, mais aussi d'humeur ou d'envie. Cette notation simplifiée me convient personnellement et au vu du nombre de questions que l'on m'a déjà posées, je pense aussi que ça devrait être quelque chose qui puisse vous plaire. Je pense également refaire prochainement une dégustation en visio, comme je l'avais fait il y a 2 ans. Je suis encore en train de réfléchir au premier speed que je compte réaliser, certainement une série de blancs agricoles. Je réserverai les premières places à ma liste privée, alors si cela t'intéresse d'y participer, je t'invite à t'inscrire. C'est le premier lien dans la description. Je ferai une petite vidéo spécialement pour vous annoncer cette dégustation, le split qu'il y aura pour la dégustation et combien ça vous coûtera. Et donc pour ces prochaines dégustations, vous savez que j'aime beaucoup me procurer des samples chez Rhum Attitude. Donc on va avoir pas mal de leurs rhums. Quelques rhums aussi que j'ai récupérés par-ci par-là. Et donc chaque semaine, ce sera une série de 5, 6, voire 7 rhums, selon un peu la série, comment je l'ai complété, etc., qui seront dégustés. Donc moi, je ferai ma petite dégustation dans la semaine et je vous les répartirai sur les Reels, sur la vidéo YouTube, etc. Ça fera pas mal de choses à déguster. Vous le savez bien, hein, franchement, je le montre de temps en temps, il y a quand même pas mal de choses à déguster dans cette petite tourelle avec pas mal de sampling. Il y a du boulot. Alors, on commencera la semaine prochaine avec une série de dégustations de chez SBS. J'ai déjà dégusté certains de ces rhums à Noël. Ce sera l'occasion de parler un peu plus de cet embouteilleur et de vous parler des dernières sorties. Il y aura au menu l'Australia 2007 à 55 degrés, le Martinique 2019 à 53 degrés, le 2020 New Yarmouth à 58,3 degrés. L'Antigua 2015 à 64,9 degrés. L'Amden H 2013 à 70,3 degrés. Le Clarendon EMB 2015 à 65,7 degrés. Et le Cuba 2012 à 50 degrés. Cela fait 7 rhums d'ouverture. Cela fait vraiment pas mal pour une première série. On finira le mois d'août sur un petit voyage avec beaucoup d'exubérance. On commencera par l'habitation Velier Port-Mouron White 59 degrés qui m'a été généreusement donnée par un amateur qui a toujours des choses étonnantes à partager. On suivra avec deux Savannah.
Le Grand Arôme 2004-2009 finition Porto à 46 degrés et le Bois Rouge à 57 degrés. Et on finira avec 4 Old Brother, le LPCH 2009 à 60 degrés 1, le HJF 2008 à 60 degrés 8, le MLC 61 3 degrés et le Joystar New Groove XO à 53 degrés 1. Je l'avais plutôt bien apprécié lors de ma dégustation lors des calendriers de l'Avent de Noël et je tenais à en faire une petite vidéo un petit peu plus élaborée pour vous en reparler parce que même si on n'apprécie pas forcément ce que fait Joystar quand il déguste des rhums, j'avoue que cette collaboration, elle est vraiment pas mal et ils nous ont sorti une petite perle. Voilà un programme bien chargé et j'espère que vous y trouverez votre plaisir. Je vous dis à demain pour la première dégustation sur Instagram et YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Laissez-moi un petit like et un commentaire, cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans la découverte de l'univers du rhum, j'ai écrit 3 livres que je te partage gratuitement sur mon blog pour t'aider à découvrir l'univers du rhum. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple, il suffit de t'inscrire à mon mail privé, c'est le premier lien dans la description. N'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Salut !